lui donnes la croquette à Lilou? À Cambouis? Bravo, mon amour. Maman. Il a un bobo? Oui, bébé. Mais non, c'est pas un bobo, c'est son œil, mon cœur. Tu lui fais un câlin? Oui. Oh, c'est bien, mon amour. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, maman elle prend la caméra mon amour. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo, une matinée dans ma peau et demain vous aurez le reste de la journée, à savoir une après-midi dans ma peau. Donc ce matin je vous ai pas filmé tout ce qui était petit déjeuner, toilette, j'ai habillé Lana, j'ai préparé ses affaires pour l'emmener chez la nourrice, je me suis habillée aussi. Là je suis en attente de Chronopost, j'ai deux colis qui arrivent. Il y en a un qui vient de chez Cheval Énergie, l'autre je ne sais pas ou plus qu'est-ce que c'est. Et non Lana, tu vas le casser, va le ranger mon cœur, va le ranger. C'est bien mon amour. Non, tu le ranges Lana, tu le ranges, tu le ranges, allez voilà. Et ensuite il faut impérativement que j'aille acheter des granulés pour mes chevaux, tout simplement parce qu'hier, en voulant nourrir Boy et Nomade, je me suis rendu compte que c'était la fin dans ma poubelle et je n'ai vraiment plus rien. Ils sont à sec, donc comme je veux les nourrir ce matin, il faut impérativement que j'aille en acheter juste avant. Donc voilà, j'espère que cette petite matinée dans ma peau vous plaira. J'ai plein de choses à faire, je vous emmène avec moi. C'est parti! Les chaussures, oui. Les chaussures, oui. Dans l'autre sens, ma chérie, comme ça. C'est beau, mon amour? Bon, bah, qui c'est qui a perdu du temps? C'est moi, voilà, j'attendais mon colis. Et au final, il s'avère en fait que l'horaire est passé et que je ne l'ai toujours pas reçu. Et en regardant mon mail, je me suis rendu compte qu'en fait, il l'avait livré chez ma maman et non pas chez moi. Voilà. Donc, tant pis, je le récupérerai plus tard, c'est pas très grave. Mais du coup, ça m'a fait un petit peu perdre du temps en fait, parce que ça fait quasiment une heure que je poirote en attendant le colis. Bon, cela dit, ça m'a permis en même temps de faire mon ménage et ma vaisselle. Hein. C'est pas du temps de perdu non plus, mais. Mais voilà quoi, moi mes petits chevaux ils m'attendent, voilà ils ont faim. Donc voilà, là je suis partie, je vais à la poste acheter des enveloppes afin de pouvoir envoyer des commandes par la poste et ensuite je file acheter l'aliment de mes chevaux. Il faut que je prenne impérativement aussi des couches à ma fille puisqu'il ne me reste plus que 6 je crois et on va pas aller loin s'il y a des accidents, donc il est temps. Ça y est les gars, mon bébé a des couches. Enfin, voilà. Elle va pouvoir faire pipi et caca tranquillement. Et papa et maman vont être rassurés. Bon allez, c'est bon, j'ai terminé tous mes achats. Maintenant, direction les poneys pour nourrir Boy et Nono. Et cet après-midi, je pense que je travaillerai Haribo. Et puis j'essaierai, on va voir avec une autre propriétaire, d'essayer de mettre Boy avec Armani. Parce que c'est le seul, enfin c'est le dernier poney qui reste, qui a un petit peu du mal à intégrer Boy dans le groupe. Donc on fera ça cet après-midi. Voilà,
Voilà, là au moins on peut pas dire que le plan il est pas fait. En plus comme ça j'ai un sac d'avance. Ça m'évitera d'y retourner parce que bon avec le confinement on va éviter les allers-retours. Donc voilà, j'en ai pris 3, au moins je suis tranquille. J'ai mal au dos, c'est lourd. Et du coup je vais pouvoir donner les rations à ces messieurs. Bon par contre je suis un petit peu verte parce qu'en fait la commande que je recevais aujourd'hui c'est une commande de Cheval Énergie et j'avais de l'huile de lin dedans parce que j'en ai plus. Bon en soi c'est pas très très grave mais j'aime bien en mettre dans la ration de Nomade pour lui permettre de garder un petit peu d'état. C'est pas grave, Nomade je vais aller lui mouiller du coup sa ration parce que à l'heure où je tourne la vidéo il est encore sous traitement mais par contre quand vous la regarderez cette vidéo il aura terminé son traitement mais il faut que je lui mouille impérativement parce qu'en fait hier soir quand je l'ai nourri je l'ai pas mouillé et il a pas mangé sa ration. Bon après j'ai fini par aller la mouiller et là il l'a prise mais vraiment la poudre, le médicament ça le dégoûte et du coup il mange pas. Bon alors là je pense que vous avez failli assister à ma mort en direct, j'ai vraiment cru que j'allais me croûter. Je me suis pris les pieds dans le fil du Karcher, j'ai vu ma vie défiler. Oh ça aurait été comique à mettre dans le bêtisier de la fin de l'année ça. Bon là je vais pas le monter dans le vent Nomade ce matin. Oh, c'est une technique comme une autre, on ne se moque pas. J'ai qu'une main donc je fais ce que je peux. Ouais parce que là du coup ce matin ils sont en bas donc je vais aller les nourrir en bas. Par contre cet après-midi je prendrai un petit peu plus le temps, je remonterai Nomade puisque Nomade est nourri 2 fois par jour. Et là par contre je vais le montrer dans le vent juste derrière. Bon j'ai vu Boy dans l'autre pré, par contre j'ai pas vu Nomade. Je sais pas où il est. C'est pas grave, je vais préparer tout ça en attendant. Nono Boy. Hop. Je suis pas gauchère. Je sais pas où il est. Haribo arrive, mais j'ai pas besoin d'Haribo. Haribo, toi, c'est ça ta. Ah, Nomade arrive. Nomade arrive. Au grand trot. Oh, my nouille. Voilà, on a Boy qui essaie de sortir là-bas, mais Harmony lui court après. Voilà pourquoi cet après-midi, on va essayer de les mettre ensemble tous les deux. Pour qu'ils apprennent à se connaître. Et j'ai pensé aussi faire pourquoi pas une balade avec Harmony et Boy. Parce qu'il pourrait y avoir un déclic. Oh mon nono, la faim! La faim, nouille! Coucou! Nono! Lana elle serait là, elle ferait nono! Bon, là, le truc qui est pas cool, c'est que du coup, je dois laisser passer Nomade et Boy, pas Haribo, donc c'est pas toujours évident. Kito, s'il te plaît, va-t'en parce que tu fais pas le Boy. Harmony, laisse-le tranquille. Viens là, garçon. Viens là, Lolo. Viens, on va manger. C'est bien. Allez, viens, Lolo. Oula, oula, oula. Oulolo. Allez, viens, Lolo. On va aller manger. Et Haribo, tu le laisses tranquille. Hein? Allez, avance, Lolo. Voilà. C'est bien. Nomade, pousse-toi, sinon Boy, il passera pas. Nomade, allez, pousse-toi. Pousse-toi. Oui, très bien. Boy, vas-y. Allez, vas-y. Allez. Vas-y. Va manger. Allez. Allez. Eh, eh. Devant, Loulou. Viens. Viens. Allez. Allez. Oui. Dépêche-toi, parce qu'Haribo, il va vouloir passer, sinon. Voilà. Toi, c'est très bien, Loulou. C'est très bien. Tu recules? Recule. Recule. Voilà, très bien, garçon. Parfait. Elle arrive la bouffe, les gars. Alors, du coup, chacun sa gamelle. Donc, on a Nomade. Ici. Boy, non. Ah, bah oui, hein. Boy, toi, c'est ici. Non, non, ça, c'est à Nomade. Non. T'as pas compris, hein, garçon. Nono, viens là. Nono et Boy. Bah oui, tu vas pas manger les médicaments de Nono quand même. Ah.
Bon, en même temps, j'en profite pour regarder qu'il n'ait pas de nouveau bobo. Bon, il a deux hématomes, il en a un petit là et un petit ici. Je pense que c'est des morsures, c'est pas bien grave. Et non, il n'a pas de nouveau bobo, mis à part ceux qu'il avait déjà, donc à savoir celui-là. Bon, c'est pas joli, mais c'est superficiel, donc je m'inquiète pas. Et ceux qui sont là, et d'ailleurs, il y a encore la crème que je lui ai mis hier. Voilà, donc je vais en remettre ce soir. C'est rien, hein, franchement. Tant que c'est que ça, ça ne m'inquiète pas. Voilà. Hein? Ah, t'en as un nouveau là. Bon, je vais regarder de l'autre côté. N'est pas. Ah ouais. Mais si, il en a un là et. D'ailleurs, c'est un petit peu gonflé. On ira à la douche tout à l'heure pour masser. Ah ouais, il a un hématome. Ouais, c'est pas joli. Bon, puis tant qu'à faire, on va vérifier que toi t'en es pas non plus, même si en principe, toi, y a pas de raison. Hein? Tu te chamailles pas et les autres t'embêtent pas. Et toi, mon petit garçon? T'es sage, t'es tout mignon. Toi aussi, je vais regarder si t'as pas des petits bobos. Hein? Parce que toi, par contre, t'en as régulièrement. Parce que comme t'es un bébé, tu vas les embêter. T'es sale, ça va te faire du bien hein, tout à l'heure, un bon pansage. Hein. Allô? Non. C'est que des anciens bobos. Pas de nouveaux bobos. Hein? Oui, mon petit garçon. Il regarde les autres manger, le pauvre. Ça me fait trop de peine. Mais regarde ça, comme t'es gras, toi. T'es bien rond, t'as pas besoin. Voilà. Allez, nomade! Mais ça va pas! T'es pas gentil, hein? Oh, mon garçon! Oh, t'as soif? Bon, allez. On range leur vaisselle, parce qu'ils sont pas foutus de le faire eux-mêmes. Et on rentre à la maison! Heureux, on se retrouve donc dans mon bureau. Je vais donc maintenant m'atteler à la préparation des commandes, à savoir que là je vais commencer par emballer tous les livres que je dois déposer en point relais, que ce soit Mondial Relais, Relais Colis, Chrono Relais, les choses comme ça, et ensuite je ferai tout ce que je devrais déposer à la poste. C'est parti, on perd pas de temps. C'est quelque chose que du coup je fais tous les matins et je suis obligée de le faire, même si c'est vrai que ça me fait pas des déplacements tous les jours, mais je suis obligée dans le sens où j'ai pas envie en fait d'accumuler des commandes et j'en ai, franchement j'en ai quasiment une vingtaine par jour en ce moment, donc je peux pas me permettre, voilà, parce que sinon je vais me ramener avec je ne sais combien de sacs de colis à déposer. J'ai peur qu'en plus ça crée des bugs lorsque les personnes qui tiennent les points relais vont venir biper mes articles. Donc du coup, bah voilà, je le fais tous les jours et je vais le faire de suite là parce que j'ai pas envie de perdre du temps sur ma journée. J'ai quand même pas mal de choses à faire encore. Donc c'est parti. Cette partie là c'est terminé, donc j'avais 8 commandes à aller déposer dans les points relais et pour gagner du temps et m'aider ces gens qui vont aller les déposer puisque c'est sur sa route là en allant au travail. J'attaque maintenant tout ce qui est colis à envoyer par la poste. Et avec le sourire s'il vous plaît. Comment merde. Non. C'est moi, il est de corvée. Oui.
Bon, voilà, mon stock de commandes de la poste est terminé. J'ai plus qu'à le déposer cet après-midi. Ce sera tout pour aujourd'hui, même si je sais pertinemment que aujourd'hui au courrier, je vais en recevoir d'autres également, mais je verrai ça demain. Voilà. Bon, je vais terminer cette vidéo ici, mais n'oubliez pas, on se retrouve dès demain pour la deuxième partie, donc une après-midi dans ma peau, en espérant que celle-ci vous ait plu et vous ait donné envie de connaître la suite. En attendant demain, je vous fais à tous de très gros bisous, prenez soin de vous et de vos chevaux. Salut !